Louer un appartement en location meublée ou non meublée, c'est la question que beaucoup d'investisseurs se posent. Déjà, outre l'aspect fiscal, on va rester sur la partie vraiment des loyers. Il faut considérer qu'un logement meublé se loue en moyenne entre 15 et 25% plus cher qu'une location nue traditionnelle. Ça, c'est le premier point. Concernant maintenant l'aspect fiscal, la location meublée permet d'accéder à un statut LMNP, qui est donc le statut de loueur meublé non professionnel. Ce statut fiscal est très avantageux en France. Alors la fiscalité française n'est pas toujours à son avantage, mais dans ce cas-là, elle l'est, donc il faut en profiter. Ce statut permet d'amortir dans le temps le montant d'acquisition du bien, des travaux et l'ameublement. Ce cumul de charges permet de créer un déficit foncier et ce déficit foncier vient s'imputer sur les revenus locatifs. Ce qui donc dans le temps va permettre à l'investisseur d'être exonéré d'impôts pendant en moyenne une dizaine d'années, en fonction évidemment du montant du bien, des travaux et du mobilier. En conclusion, il est toujours plus avantageux de procéder à une location meublée pour les deux éléments qu'on a mentionnés à l'instant, c'est-à-dire le montant des loyers encaissés et l'aspect fiscal plus avantageux que dans la location nue.